j'ai eu un pote bisexuel. Ah ouais, dis-nous en plus. Mais je le savais pas. Bah ouais, dis-nous en plus. Bah, attends, vas-y, vas-y, dis-nous en plus. Jouer au badminton ensemble à la fac. Pour jouer au badminton, regarde. Bon. Bon. Parce qu'on joue avec des courtes, des shorts courts, avec des raquettes. On aime bien taper dans un volant. Powerwash Simulator, donc deux arabes qui manient le karcher à la perfection et non exactement. Pas à la calache. Exactement. Alors, ah oui, mais la maison forestière, t'as nettoyé avec moi la maison forestière ou pas? Non. Est-ce que t'as rejoint avec moi la maison? Non. J'ai pas fait la maison forestière, vas-y invite-moi. Ouais, ouais, je viens d'arriver là, tu laisses tomber, on vient de commencer la matinée. Ouais, je l'ai servi. Tu sais que pour tous ceux qui... voilà, qui galère peut-être à trouver du travail ou quoi. Voilà, lancez-vous dans le nettoyage, hein. Ça gagne énormément bien. Vous achetez une camionnette éclatée, allez, 8000 euros, 9000 euros, des produits par-ci par-là, et vous commencez. Et il n'y a pas de sous-métier, les gars. Il y a juste des métiers qui sont sous-payés. Mais pour tout le reste, il n'y a pas de sous-métier. Non, c'est vrai ou pas? Ah oui, ça c'est vrai. Mais attends, voilà, mais... merci. Ferme ta gueule. Attends, mais il faut qu'ils investissent dans une camionnette à 9000 euros. Mais un petit crédit, Rouya. Mais tu crois que les crédits c'est donné à tout le monde ou quoi? Le crédit, faut des fiches de paye, ils donnent pas comme ça, Rouya. À moins que t'as des bons potes, qui sont millionnaires et qui peuvent te donner, prêter un peu d'argent. Mais Rouya, sinon... mais t'ouvres une entreprise, tu peux demander des aides, Rouya, c'est pas grave ça. Ah oui, je savais pas moi ça. Ouais, je paye les services, lui. Ouais, pas ça. Ah ouais, bah ouais, bah à ouais, moins bah qu'il paye la camionnette 9000$. D'accord. Ouais. Et moi j'avais une réelle question à te poser. Voilà que c'est la vérité, Roya. Non mais attends, mais laisse-moi finir ma place. Oui, mais on s'en bat les couilles de ça, on s'en bat les couilles. Moi j'ai vraiment un sujet encore plus intéressant que ça, Roya. Les gens qui disent par exemple moi, ok. Non, par exemple toi, ok. On te pose la question. Quel pays tu préfères entre la France et l'Algérie, d'accord? Imagine tu réponds l'Algérie, d'accord? Imagine. Ouais. On est d'accord, c'est pas logique. Parce que j'ai envie de te dire, bah si tu préfères l'Algérie, pourquoi est-ce que t'habites pas en Algérie? Bah oui. Y a rien qui te retient. Bien on sûr. Est d'accord. Oui. Alors pourquoi les gens, quand tu leur poses la question, tu préfères, je sais pas moi, la France ou le Maroc, alors que le mec il habite en France, il dit le Maroc. Si tu préfères le Maroc, pourquoi est-ce que tu vas pas y vivre? Personne t'oblige à rester en France, on est d'accord ou pas? Non mais ça c'est des phrases du Front National, ça, Rouya, je reconnais. Mais c'est... non. C'est le RN, non, ça, non, c'est Marine, ça qui a remplacé moi. Non. NS, t'es en train de virer. T'es en train de virer du mauvais chemin. C'est question de logique, en fait. Moi, j'adore. Moi, je suis marocain. J'adore mon pays, tu vois. Mais c'est bizarre de dire, ouais, moi, je préfère le Maroc à la France puisque j'habite en France. Nettoie. Tu vois ce que... Non, mais tu vois ce que non, je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà que je vois ce que tu veux dire. Non, mais, mais c'est logique. Parce que imagine, je réponds le Maroc. Mais les gens, ils vont me dire, ah, c'est bien, mais si tu préfères le Maroc, va là-bas. Pourquoi est-ce que tu vas pas vivre au Maroc si tu préfères le Maroc? C'est vrai, non ou pas? Bah oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que logiquement, je préfère la France au Maroc vu que j'habite en France. Bah logiquement. Putain, mais en fait, entre le cerveau et le cœur, c'est difficile de faire la différence. Mais t'arrives où, toi? Mais wesh. Il est con ou quoi, lui? Non, mais c'est vrai. Mais attends, mais... C'est pour ça, quand je te pose la question, France-Algérie, tu me dis de l'Algérie, j'ai envie de te dire, mais retourne dans ton pays, putain de merde. Non, mais attends. C'est grave, voilà que c'est grave. Tu vois la maison, hey, ça aurait été un ring de l'UFC, on serait goumé. Parce que l'enfoiré, il est parti, il a fait un concert en Israël, il s'est fait boycotter par tout le monde. C'est vous ou pas? Bah, c'est normal. Mais regarde, les gens, ils ont dit, ouais, on va lui enlever la nationalité algérienne. Mais il est pas algérien, il est français. Quelle nationalité algérienne? Il a la nationalité. Ouais. Comment tu sais? T'as vu son passeport? Bah, Rouya, on l'a tous. Quand t'es des aides, c'est faux. En commentaire, tous mes des aides. Voilà, tous mes des aides. Alors, avez-vous la double nationalité ou non? Oui ou non? Voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont pas, Rouya. C'est pour ça qu'ils vont pas en Algérie. Parce qu'il faut un passeport, faut un visa quand t'as le passeport français. Rouya, Bah, c'est de la faute de leurs parents, Rouya. C'est de la faute de leurs parents. Moi, quand j'étais petit peu, mes parents, ils m'ont mis directement. Il est encore valable. Bah, tu veux que je te montre? Vas-y. Je sais même pas où il est. C'est bizarre ça, hein? C'est bizarre. Je sais même pas où il est. Attends, mais c'est quoi ces fils d'up là qu'on fait ça? Moi, je nettoie pour qu'après il y a ça là. Attends, mais moi, attends, mais c'est moi ça? Mais voilà. Mais wesh. Attends, on va arranger le truc. Mais wesh. C'est bon, c'est plutôt. Alhamdoulilah. Merci Rouya. Merci Rouya. Rouya. Merci. Eh, moi je suis pas une pookie, je suis pas comme toi. Non, merci Rouya. Moi je suis pas une pookie comme toi. T'as bien nettoyé. Vas-y, pourquoi tu nous embarques dans des débats comme ça? Tu veux pas parler comme tout le monde des tendances TikTok? Vas-y, tu sais twerker? Parle-moi des trucs intéressants, des trucs qui sont intéressants dans la vie. Tu sais twerker? Tu sais cuisiner? Je te marie, c'est bon. Quoi? Bah Rouya, t'as dit que tu veux pas de sujets épineux. Bah viens, on parle des sujets pas épineux. Vas-y, d'accord. OK. Bah vas-y, c'est pas épineux. Vas-y. Tu parlais, tu sais que j'ai fait mon TikTok là, Rouya. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi ton... Fais ma pub. Fais ma pub. Bah dis, c'est quoi? Bah, Prince sur TikTok. Voilà, tout simplement. Voilà. Prince sur TikTok. Ça sera en description.
Vas-y. C'est bon. Ouais. Non, parce que la dernière fois, que t'as dit ça sent. Non mais la dernière. Bah attends, mais faut bien, s'il faut bien sucer quelqu'un, il y a que toi que je pourrais sucer. Non, la dernière fois, vas-y, dis-moi. C'est bon, quoi. Non, la dernière fois, dis-moi. Non, la dernière fois, t'as dit que t'allais mettre mon truc en description. En moonwalk. Le kick. En moonwalk. Le kick ou le prince foot. On a tellement fait de pub que je m'a plu. Ouais. Bah vas-y, fais tes pubs, Non, je fais juste ma pub de TikTok. Alors TikTok, les amis, aujourd'hui, bonjour. Allez, c'est bon, on travaille, let's go. Eh, je vais vendre mon compte Snap certifié, je le mets en vente, le bon coin, direct. T'as capté? Ah ouais? Tu le vends combien? Ça m'intéresse, tu le vends combien? Tu le vends combien? Bah viens en MP. Comment ça, viens en MP, wesh? On est où là? Enfin, on est entre nous, t'es sérieux? Bah non, on est pas entre nous, frère, c'est une vidéo qui va sortir, bah viens en MP. Bah... NS. Ah putain. NS. Viens en MP, ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es où? Mais wesh, mais je suis sur le toit, croyant, je suis sur le toit du monde. Dès qu'on fait la vidéo, viens en MP. Oui, bah d'accord, je vais venir en MP, ça marche, pas de soucis. Et regarde, attends, la dernière fois qu'on avait joué à ce jeu-là, tu m'as dit que t'allais ramener Michou, il est où? Michou, il est dans des projets, hein. Ah ouais, il est pas dans le projet Power Wash avec Prince par hasard. Non. Michou, je vais lui demander, hey, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? J'ai une idée de ouf. Vas-y. NS, j'ai une idée de ouf, Ça me fait peur, hein. Non, ah, ça me fait peur. Hein. Écoute, elle est simple. Tu sais quoi? On va faire une série avec Power Wash en fond, d'accord? On nettoie, on ramène des guests ouais. Avec nous, on leur pose des questions et ils nettoient comme ça en même temps avec nous pendant une heure. Voilà. Mais croyez, mais faut les payer, tu crois qu'ils vont venir gratuitement ou quoi? Eh, j'ai envie de te dire, t'es qui dans l'e-sport? T'as fait quoi dans le game de l'e-sport toi? T'es qui? Hein? Voilà. Travaille maintenant! Wesh, t'as même pas fini en fait. Mais t'es vraiment qu'un bon à rien quoi. Vas-y, tu me dégoûtes, je vais aller faire là-bas là, le reste. On souffle. C'est quoi? Comment ça tu souffles? Non, là vraiment, non mais là moi et les abonnés, on souffle. Mais pourquoi tu souffles? De ta réaction de merde. Ta réaction de merde. Mais attends, mais bah j'ai enlevé. J'ai enlevé tout ce qui était là. J'ai tout nettoyé. Et viens, tu me dis. Casse-toi. T'as parlé de quoi? Casse-toi! Mais je fais comment? Mais je peux pas moi travailler. Bon, je fais ça. Le jour où Squeezie m'a mis un vu. Voilà. Hein? Pour de vrai? Mais voilà qui m'a. Mais je te l'avais raconté en MP. Tu te rappelles là? Non, je me rappelle plus. Vas-y, raconte. Alors en gros, t'as capté 2017, 2018. T'as capté, genre limite Squeezie me faisait la zubi, hein. Ah ouais, bah tiens, voilà, normal, Haja le top. Là on était yam. Hop, ouais. On se voyait à Los Angeles, tac, ça disait CLM, des gros CLM et tout, bam, tac, rac, frac. Ah ouais, attends, écoute. Et une fois, t'as vu, on a fait une vidéo ensemble. Rappelle ouais. La vidéo ouais, box, ouais, Squeezie. Voilà. Et après, j'avais un projet de vidéo, genre, je voulais juste qu'il apparaisse 20 secondes. Tu sais, quand j'allais chez Wabedia, je voulais juste qu'il apparaisse 20 secondes. En gros, c'était un truc qui me dénigrait, moi, t'as capté? Genre vraiment j'étais en mode dans le truc, j'étais un personnage con et tout, genre je croyais que j'étais quelqu'un mais au final j'étais personne et la preuve Squeezie devait dire entre guillemets mais t'es qui genre t'as capté. J'ai dit à Squeezie ça, tac, il m'a lâché un vu. Un MP Twitter. Sur Insta? Sur Twitter. Ah mais tu sais pas si t'as lâché un vu ou pas. Mais voilà que sur Twitter, on peut pas savoir. Mais sur la tête de ma mère c'était écrit vu. Ah. Voilà. Ah ouais. C'est à ce moment là je me suis dit. Ah ouais. Au moins, en fait, ce qu'on voit, les gens, pourquoi vous répondez pas? Même si c'est non, tu dis non, je peux pas, non. Ça m'intéresse pas. Voilà. Tranquille, y a rien, ouais. Va te faire foutre, voilà, clochard, je sais pas pour qui t'es, tu viens là tant que t'es pas Gotaga, papa avec moi. Voilà, c'est grave. Voilà, mais bon, tain, tu vois, j'en ai parlé, t'as juste dit ça. Là, j'ai envie de monter gifler des gens, quoi. Wesh! Non, je rigole. Montez où? T'es dans un immeuble ou quoi? Sur le toit. Ah bah non, mais je suis déjà là. Ah ouais. Je suis déjà là. Non, mais. Je me suis déjà mangé des vues, croyant. Genre, toi, c'est qui qui t'a mis t'as mangé un vu, genre? Bah, Beyoncé, Jay-Z, Harrison Ford, Bill Gates, Bruce Willis. Mais croyant. Daniel Day-Lewis. Mais non, mais toi, tu vas trop loin aussi. Bah ouais, mais bon, moi. Croyant, essaye déjà de convaincre les gens qui sont déjà dans ton pays. Et donc au lieu d'aller chercher des gens qui sont aux States, qui te connaissent même pas, ils savent même pas quitter, Roya. Ils savent même pas quitter. Le vu qui m'a vraiment. Ça m'a fait mal, hein. Vraiment, ça m'a. Marine Le Pen. Là, j'ai pas digéré. Je lui ai demandé juste d'avoir les papiers et tout. Un vu, mais glacial. Tu sais, un vu, genre, avec des dents sales et tout, hein. Roya, est-ce que t'as vu ta tête? Ouais. Elle ressemble à quoi? À une tête de harbouche. Non, mais là, je suis bien rasé, alhamdoulilah, je suis rasé de tout. Non, mais c'est pas grave, même t'es rasé, t'as une tête de harbouche. D'accord. Ah, okay. Tu resteras un harbouche, ok. Et aux yeux de Marine Le Pen, même tu pourras demander tous les papiers, tous les trucs que tu veux, tu es un harbouche. Et j'irai même plus que ça. Ferme ta gueule. Et tu iras même plus que ça.
T'es un étranger et tu resteras un étranger, espèce de sale clochard. Mais non, hein, mais non, mais. T'es un putain de b. D'accord. Mais t'es un putain de b. Ok. Franchement, j'ai rencontré plus d'arabes racistes envers moi que de français pure souche envers moi, d'accord. Non, mais je dis pas que les français sont racistes, je te parle de Marine Le Pen. Voilà. Tu me mets dans la sauce, toi, fils de pute. Maintenant, tu rentres ta gueule maintenant. Descends, descends, vas-y, descends. Descends, descends, viens, viens, non, viens, attrape-moi, attrape-moi. Moi, je suis en joue à cache-cache, attrape-toi, pourquoi, c'est quoi ça? Bah, attrape-moi, c'est un homme, attrape-moi. Il est fou, lui. C'est un homme. Ah, mais. Voilà. Oh, c'est pour ça qu'on n'évolue pas, on n'évolue pas, on voilà. Est con, voilà, on est con. On est con, on est idiot. C'est grave. On est idiot. On est bête, voilà. On est idiot. Au lieu d'aider son prochain, on fargare notre prochain. Nos ancêtres, ils étaient pas comme ça, là. Nos ancêtres, ils auraient honte à notre place, voilà. Nos ancêtres, c'était des guerriers, nous, on est. Voilà, on est des hommes. C'est des variants. On est des variants. Voilà, et nous on est des variants. Exactement. Et bon, exactement. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme les femmes qui crient au féminisme, qui disent ouais, le plus grand danger des femmes, c'est les hommes. Non, le plus grand danger des femmes, c'est les femmes entre elles. Il y a pas plus vipère que les femmes entre elles. Désolé mesdames, mais je dis la vérité, merde alors. Bah non, mais voilà. Mais même les hommes entre hommes, hein. Eh, les hommes non, maintenant. Ça va. Non, maintenant les hommes ils sucent, wesh. Comment ça? Tu peux nous en dire plus sur rien? Comment ça? Wesh, ouais, mais dis, comment ça ils sucent, wesh? Les hommes ils sucent. C'est un truc de ouf, wesh. Mais comment ça? C'est dans quel contexte? Un contexte sportif, diplomatique, Ouais, je parle! Mais ils parlent plus! C'est un truc de ouf. Ok, langue de bois, que je sais pas, pas de soucis. Pas de soucis, Roya. T'en penses quoi, Roya? Les mecs maintenant ils s'embrassent, wesh. Les gays, des trans et des bi, ils s'embrassent, wesh. On appelle ça des gays, wesh. Mais t'en penses quoi? C'est moi ça ma question. Mais pourquoi tu veux savoir j'en pense quoi? Et regarde, moi tu veux que je te dise, tu veux ma réponse? Vas-y. Wallah, que la vérité, j'ai rien contre les homosexuels, les gays, les trans. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est en fait tout ce qu'ils font autour, c'est-à-dire leur mouvement politique, la propagande. Ça, j'aime pas. Mais en tant qu'individu, je les respecte. Mais leur mouvement politique et tout, les gens qui sont à la tête de ces mouvements-là et qui essayent de politiser ça et de, comment dire, de propager leur idéologie, ça, je suis contre. D'accord, Agnès, pour tout je vais te poser une question. Imagine-toi. Imagine. Oui. Imagine. Oui. Je viens comme ça en face de toi, un jour. Oui. Je t'embrasse. Oui. Je te dis que je t'aime. Mais c'est ça ton problème. Quoi? C'est ça ton problème. Quoi? Moi, j'ai rien contre le fait que tu sois homosexuel. Mais moi, je le suis pas, donc tu vas pas me forcer à l'être. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais non, mais moi, je suis pas. Ce que dire. Mais je suis pas homosexuel, moi. Mais tu viens de me le dire. Mais non, je t'ai dit, imagine. Imagine. Non, mais c'est. Vas-y, après, on va en MP tous les deux. Voilà, c'est grave. Moi, je me casse le couille que c'est MP. Ouais, c'est un ouf. On te snap, non, faut que je t'embrasse, ça va être quoi? Après, je t'encule, c'est quoi ce délire? C'est grave. Merde alors. Bah écoute. Si tu décides de toi-même. T'as pas répondu, tu fais la langue de bois. Hein. Ouais, d'accord, ouais, quelle langue de bois? Mais je rigolais, Roya, mais je rigolais, wesh. Bah réponds alors, mais je rigolais, vas-y, c'est quoi? Depuis tout à l'heure, tu m'entendais pas, je rigolais, wesh, ça clochard, va. Qu'est-ce qu'il y a? Zama, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fout de ma gueule ou quoi? Il est fou, lui. Là, il est fou. Tu m'as dit quoi? C'est quoi l'action? Ah, t'en penses quoi? De quoi? Des gays, des trans, mais voilà que la même chose. Non, en vrai, la même chose. La vérité. C'est le mouvement, en fait. En fait, c'est le mouvement qui m'énerve. Voilà. Arrêtez de vous sentir victimisé. Arrêtez de vous sentir victimisé, bande de gays. Non. Wesh. Quoi? Quoi? C'est pas ça? C'est pas ça qu'il fallait dire. J'ai raconté. Bande de gays, mais quoi? Ça va, c'est une insulte, ça ou quoi? Mais non, c'est pas une insulte. Mais non, mais. Tu sais que, en plus, je pense qu'il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui ne se reconnaissent pas en fait dans ce mouvement-là, tu vois. C'est moi ce qui me fait peur. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, bah oui, en plus, c'est vrai ça. Mais tu sais, moi ce qui me fait peur, c'est les homosexuels qui se déclarent homosexuels après avoir fondé une famille et tout. Wesh. Ah, mais tu sais que j'ai vu une vidéo sur TikTok et un mec il lui dit ouais, t'es homosexuel. Il fait ouais, depuis peu. Tu sais, un mec il vient de signer. Non, mais attends, mais. C'est un transfert, genre. Ouais, écoute, bah écoutez, il touchait 3000 euros par mois. Il y avait un confort de vie qui était plus acceptable, donc je suis devenu gay, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu un pote bisexuel. Ah ouais, dis-nous en plus. Mais je le savais pas. Ouais, dis-nous en plus. Bah, attends, vas-y, dis-nous en plus. Jouer au badminton ensemble à la fac. Pour jouer au badminton, regarde. Bon. Bon. Parce qu'on joue avec des courtes, des shorts courts, avec des raquettes, qu'on aime bien taper dans un volant, ouais. Que tout d'un coup, tu tiens on bien quoi le volant, tu le jettes bien quoi le volant, hein. T'as ouais, bien quand bah ça oui. Fait toc, le bois arrondi, hein. Quand il vient taper sur ta tête comme ça, toc, hein, le bois arrondi.
Vas-y, continue. C'est bon, je peux finir? Oui. Wesh. Et donc, on jouait ensemble, et en fait, on faisait du 2 contre 2, on jouait en double. Mmh. Et comme il était bon et que j'étais bon, mmh. ben on s'est mis ensemble. Enfin, on s'est mis ensemble. Wesh. Attends. Non, attends. Mais non. Attends. Attends. Comment ça, on s'est mis ensemble? On s'est mis ensemble pendant les séances de badminton, c'est-à-dire on jouait ensemble, wesh. On s'est mis ensemble dans la même équipe, oh là là. Ah ouais. Et donc, wesh, laisse-moi finir. Non mais vas-y, donc, non, mais on dit rien, pas obligé de se justifier comme ça, rouillard, wesh. Le problème, ça a commencé que quand, à chaque fois que je marquais un point et que Zama, on avait de l'avance sur nos adversaires. Vous envoyez des MP. Mais pas ça. Il me claquait le cul avec sa main, il me faisait, ah, bien joué, ta. T'es comme au foot. Au foot, des fois, quand tu... Pourquoi tu rigoles? C'est quoi? Il me tapait les fesses, genre ah bien joué. Mais comme au foot, des fois ça vous le faites ça au foot, non? Ça le fait aussi, non? Ah non. Ouais, j'avais quelqu'un qui m'a claqué le cul au foot. Ah Khouya. Alors moi j'avais personne. Alors jouer Khouya. Donc tu sais qu'il est bi, vous jouez au badminton non, et tu mets des petits shorts avec une petite raquette toute fine comme des tennisman. Sauf que c'est une raquette toute fine, un petit peu féminisée. D'accord? Et vous claquez les... Bien joué! Regarde, laisse-moi finir. Madame, on te laisse finir. À ce moment-là, je savais pas. Ah là, le titre de la vidéo. Oh, le titre de la vidéo. Mais laisse-moi finir! Coming out. Putain! Son coming out. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, choqué. Et moi, à ce moment-là... Choqué. Regarde, moi, à ce moment-là, moi, je connaissais pas. Je suis choqué. Pour moi, il y avait que les hétéros. Le reste, ça n'existait pas. J'étais pas au courant. J'avais 18-19 ans, tu vois. Et donc, attends, un jour... Ouais, on dirait que t'avais 9 ans. Ouais, 18-19 ans, mais regarde, 18-19 ans, on apprend à conduire, il y a des gens qui travaillent, mon frère. Ouais, regarde, j'étais en Arabie Saoudite, je connaissais pas tout ça, frère. J'étais cloisonné. Ouais, je réfléchis un peu. On dirait qu'il est sorti de Koh Lanta, wesh. Ça y est, mon frère. T'as pas mon vécu, t'as ta gueule. Wesh. Écoute, bah laisse-moi finir. Vas-y, bah vas-y. Moi, à ce moment-là. Je dis plus rien, je t'écoute. Voilà, à ce moment-là, moi, je savais pas qu'il était bi, tu vois. Et un jour, je me pointe donc à la séance, donc au swap, la séance de badminton. Ah, de travailler, regarde-moi, s'il te plaît, en même temps. Regarde, écoute, j'arrive et je vois qu'en fait il joue déjà avec un mec. Je fais, wesh, mon binôme il joue avec. Ah, mais je joue avec qui moi? Donc je vais le voir et tout. Je dis, Vlad, ça va ou quoi? Et j'ai même pas eu le temps d'en placer. Il me fait, ah, oh, ça va ou quoi, Anas? Mais il était pas du tout efféminé. Hein. Il me dit, ouais, ça va et toi, Anas? Je fais, ouais, ça va. Il me dit, bah ouais, je joue avec mon copain et tout. Je fais quoi? Il me dit, ouais, en fait, là je joue déjà avec mon. Je dis, genre, mais quand tu dis copain, genre ton pote ou. Il me dit, non, c'est mon copain. Attends, mais comment ça ton copain genre Ah mais là à ce moment là t'étais jaloux un peu. Mais non mais je comprenais pas, je dis son copain, genre je me dis copain quoi, copain copine ou copain Zama, copain de lit. Ah tu poses quand même beaucoup de questions pour juste Ouais, moi je trouve qu'il y avait de la jalousie, moi je trouve à ce moment, moi personnellement, excuse-moi le blédard. Mais c'est de la jalousie amicale, c'était amical. Ouais, c'est amical. Ah, oui. C'est comme toi, par exemple, quand je fais des vidéos avec quelqu'un d'autre, avec Walid ou bien Ahmed. Non, bah, je suis jamais jaloux. Ouais, jamais de la vie. Jamais de la vie, wesh. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu veux se finir ou pas? Vas-y. Et donc. Non, mais dément quand même dire que jamais je suis jaloux quand tu fais des vidéos avec les autres. Attends, réponds après. Laisse-moi finir. Oh, on va pas faire de podcast avec toi, c'est un truc de ouf. C'est un podcast, ça, c'est un podcast, ah, ça, c'est un jeu à un jeu. Un podcast avec un jeu, voilà, vas-y, c'est tout. Vas-y. Et donc, je lui dis, ton copain, genre, vous êtes ensemble? Il dit, oui, on sort ensemble. Roya, à ce moment-là, j'ai vu flou. En fait, j'ai eu des flashbacks. T'étais homophobe. T'es devenu homophobe. Où je le voyais, non, où non, je le voyais toucher mon cul et tout. T'es devenu homophobe. C'est pour ça que t'es devenu homophobe. C'est pour ça que t'es devenu homophobe. La dernière fois, quand tu me disais, ouais, j'aime pas les. Enfin, bref. C'est pour ça. Ah mais j'ai compris en fait. Il y a toujours un traumatisme, Khouya. Tu sais, arrivé à un moment, je viens de comprendre pourquoi. En fait, merci beaucoup de t'avoir confié, Khouya. Tu m'avais jamais dit ça. Mais là, maintenant, j'ai ma réponse à mes questions. Tu vois, j'ai ma réponse. Vraiment. Et d'accord. Je te remercie beaucoup. C'est ta réponse de quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Bah vas-y, toi, on en parle, le fait que tu sois misogyne et que tu tapes les femmes. Hein? Dès que la haine que tu as contre les femmes, on en parle. What the fuck? Hein? Mais wesh. Mais à quel moment je tape les femmes? Mais quelle femme je t'ai tapé? Mais il est malade! Mais wesh! Mais il est fou! Mais wesh, misogyne et en plus je tape les femmes! Mais wesh! Mais tu veux que j'ai la lycra sur moi ou quoi? Mais il est malade! Mais la lycra, c'est les juifs! Ah ouais, merde! Ça n'a rien à voir! Ouais, merde, je sais pas. Frère. Ah en plus, t'es antisémitique! Oh là! Mais wesh! Oh la totale! Mais oh, wesh! Il tape des femmes! Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il est fou! Il tape des femmes juives en plus! Waouh! Waouh! Wesh, même Adolphe Bâtard, il va être plus aimé que moi, wesh! En disant ça, wesh, t'es un ouf! Mais t'es un ouf! Là, wesh! Mais il est ouf! C'est grave, voilà que c'est grave! Mais il est ouf!
C'est grave. Attends. Voilà, antisémite, misogyne et en plus homophobe. Waouh. Mais toi, Croyo, bon, laisse tomber, Croyo. Quoi? Oh, le tapis rouge, Croyo. Rouge sang, le tapis rouge, rouge sang. Mais wow. C'est toi qui t'es en train de raconter de la merde, là. C'est toi qui t'es en train de raconter de la merde. Espèce de sale homophobe. Homophobe. Wesh. Homophobe. Wesh. T'aimes pas les gays. Homophobe. Voilà. Voilà. La vidéo, elle sera démonétisée, moi, la mienne. Allez, hop. Voilà. Il est fou, voilà. Il est fou. Imagine-toi. Croyo, moi, je vais dire un truc. Vas-y. Juste. Si j'étais vraiment homophobe, oui. Tu crois que je jouerais tous les jours pas avec besoin. Toi pas besoin. Attends, ça veut dire que je suis un gay, moi? Bah, ouais, excuse-moi, je t'ai jamais eu qu'une meuf, hein. Et alors? Bah, et alors, je me pose des excuse-moi, questions. Excuse-moi, moi, je joue pas au badminton. Excuse-moi. Ouais, ouais. Moi, je joue pas au badminton. Excuse-moi. D'accord, mais avec non, mais laisse-moi finir. Avec un copain bisexuel. Et qui, quand, oui. il a... Attends, bi, c'est les deux, non? Oui, bah ouais. Oui, les deux. Et, bah, et quand... Bon, et quand il a eu un copain, il avait un autre copain camarade pour jouer à ta place, Croyo, il lui a fait une crise de jalousie. Je lui ai fait une crise de jalousie. Oui, ça bah oui. Les couilles, Croyo. Parce que je me suis retrouvé avec jouer avec. En fait, ce qui me cassait les couilles, c'est que je me retrouvais avec une meuf qui était éclatée au sol. Ouais, ça qui avec une meuf, quoi. En fait, voilà. Bah oui. Ça qui s'est voilà, misogyne. Voilà. Donc voilà. Regardez. Vous l'avez vu. Ouais. Vous l'avez en flag. En fait, ce qui l'a saoulé, les gars, c'est qu'il soit avec une meuf, qu'il tombe avec une meuf. Mais wesh, misogyne, en flag. Parce qu'il est nul, oui, on dit toujours comme ça. Tu sais, les premiers, tu sais, écoute bien, je vais te dire la vérité. T'as vu, les premiers, comment on appelle ça? Bref, allez hop. Ouais. Et toi, Croyo, à l'époque, hein, où tu jouais à Fortnite, tout ça pour croiser des enfants dans les lobbies, espèce de pédophile. Mais c'est une dinguerie. Mais voilà que c'est une dinguerie, je vais à TF4. Mais voilà que c'est une dinguerie, mais c'est un malade. Mais c'est un ouf. Mais voilà que c'est un ouf, mais Croyo, mais c'est un ouf. Mais Croyo. Mais c'est un baiser. Comment tu fais l'amour, genre? Mais ouais. Genre tu... Bah quoi? Vas-y, raconte. Ah non, mais je sais pas, t'es dans le jugement, j'ai l'impression. Non, pas du tout, vas-y. Genre, tu te poses, t'attends un peu, après tu vas prendre ta douche. Ou bien tu vas directement dans la douche. Est-ce que genre tu prends le temps de récupérer ou bien genre tu fonces direct? Non, je prends pas de douche. Mais wesh, mais comment ça tu prends pas de douche? Ah, pourquoi tu veux que je prenne une douche? Je dors direct. Mais il est fou. Bah Croyo, ça dure 3 secondes. Ça dure 3 secondes. Mais même ça dure 3 secondes, Croyo. Croyo, prends pas de douche. Pas besoin, wesh. Je suis un pensionnat et tout. Plus jamais je parle de ça avec toi, c'est mort. Quoi, pourquoi? Il est dégueulasse. Mais pourquoi? Wesh, vas-y. Oublie. Toi par exemple, tu prends une douche direct? Bah oui, Croyo, direct. Ah ouais, tu te laves le zboub et tout? Mais wesh! Wesh. Wow, plus aucune honte, plus aucune pudeur, c'est quoi cette génération de merde là? C'est grave quand même! Wesh! Bah, je suis là, je suis devant la porte d'entrée. Tu vas me faire quoi? Tu vas me frapper devant tout le monde, non, devant non, les caméras? Voilà que je vais dire la vérité, wallah, je suis sincère, wallah. Wallah, je t'aime. Wallah, je t'aime. Ah, moi aussi, mais des fois, mais tu vraiment, me casses. Vraiment. Moi, tu me casses pas les couilles en vrai. Hein. Moi, je peux pas dire non, ça. Des fois, tu me casses les couilles parce que ton comportement, il me casse les couilles. Et donc, je me dis, mais en fait, lui, il me casse les couilles. Et en fait, quand les gens, ils me cassent les couilles, bah, ça me brise les couilles. Ah ouais. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté. Ah, franchement. Mais j'aime pas quand tu me casses les couilles. Ouais, mais c'est pour ça que tu m'aimes bien. Et toi, est-ce que tu aurais des conseils pour la jeunesse? Voilà, vive votre vie. Kiffez votre life. Sérieux, non? Quoi? Et après, tu me critiques. En vrai? Ah, je pense que leurs darons, ils savent quoi leur dire, Croyo. Moi, je suis pas leur daron, moi. Il y en a qui nous considèrent comme des modèles. Hein. Bah, vas-y. Je vais vous dire un truc, les mecs. D'accord? Et profitez de la vie. Et si vous voulez farguer à tartak d'ego. Si tu veux boire, tu bois. Non, je rigole. Non, mais je rigole. Non, en vrai, les mecs, en vrai de vrai. Les jeunes, les études, c'est le plus important. Voilà, les études, c'est le plus important. Après, si t'es un peu perspicace, si t'es un peu malin. À quel moment tu peux dire ça alors que t'as pas fait d'études? Sois cohérent dans ce que tu dis. J'ai pas fait d'études, wesh. Mais on dirait que t'as un doctorat, Croyo. J'ai un BTS NRC, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais d'accord, Alhamdoulilah. Bah, c'est vrai. C'est quoi ça? Wesh. Eh, vas-y, tu sais quoi? Ouais. Eh, regarde. Regarde-toi, t'as pas fait d'études, regarde où tu te retrouves. Comme moi. À faire quoi? À nettoyer une putain de girouette, un putain de coque sur un toit. Frère, il est sérieux. Je fais des études.
Et t'as fait quoi comme études, toi? T'as fait quoi comme études? Puissance, culture et communication. Master en cinéma. Ouais, ferme ta gueule maintenant. Master, mais le master qui sert à rien. Ça, c'est le. Les gars, si j'ai un conseil à vous donner, faites jamais master en cinéma. Wesh, Zama, à croire. Regardez, master en cinéma, regardez ce qu'il est devenu. Allah. Ah ouais, il est là, il nous achète des caméras 2899. Ah ouais, allez, casse-toi de là, allez, casse-toi de là. J'aiguise mon œil de réalisateur, ferme ta gueule. Quel œil de réalisateur? Quel œil de réalisateur? Vas-y, explique-moi. Explique-moi quel œil de réalisateur. Wesh. C'est un baiser, lui. Viens sur un plateau de tournage, je vais te faire tourner dans toutes les positions et dans tous les plans de coupe possibles, mon salaud. What the fuck? Mais ouais, c'est du porno, ça. C'est du porno. Ah ouais, école de cinéma, t'as oublié de dire porno. T'as oublié de dire porno. Je suis pas obligé de préciser, tu m'as juste demandé un diplôme. Ah ouais, porno. Alors, je vais remettre en contexte une vidéo qui tourne sur TikTok qui va faire 1 million de vues hein, quand même. C'est incroyable. C'est incroyable parole. Voilà, t'as vu comment? Ça veut dire on n'est pas mort. Roya, tant qu'on parle de nous, en bien ou en mal, tant qu'on parle de nous. Oui, c'est sûr. Non mais écoutez, alors ils ont mis refais le contexte. En gros, on avait fait un podcast toi et moi. Voilà. Et sur 1 milliard de sujets, on parlait de kick parce que c'est une nouvelle plateforme qui arrive. C'est une nouvelle plateforme qui arrive. Et moi, j'avais dit à NS, écoute NS, il y a une nouvelle plateforme qui arrive. C'est pour les streamers. C'est plus. Ça a l'air plus avantageux. Plus avantageux. Bref. Voilà. Donc. Attends, je peux le faire. Et en gros. Il y a un compte TikTok, kick.com, je crois que c'est le kick peut-être officiel ou non de kick en France, qui a repris cet extrait là où je dis voilà les gars, kick c'est une nouvelle plateforme qui est plus avantageuse au niveau financier. Et moi aussi, comme Ahmar, je dis à un moment donné, moi si je reprends les lives, j'irai sur kick. Alors qu'il reprendra jamais les lives. Voilà, alors que. Alors là, on dirait, je parlais comme si j'étais sponsorisé, c'est vrai. Mais alors que jamais de la vie, j'ai touché 1€ de la part de kick et je comptais même pas reprendre les lives, encore moins sur kick, tu vois. Sauf que les gens, ils ont vu ça, ils ont dit « Ah ouais, c'est ça vos gouttes de YouTube et tout, ils vont sur Kick, nanana, tu prends l'argent et tout !» Mais attends, Roya. Le vrai coup de gueule, c'est pas ça. Le vrai coup de gueule, c'est quoi? C'est que les gens, ils disent quoi? Ouais, Kick, c'est de la merde, on sait d'où vient l'argent. Parce que Kick, pour ceux qui ne savent pas, ça vient, c'est l'argent c'est une plateforme de casino de base, donc l'argent en ligne. Donc c'est vu que c'est de l'argent haram, les gens ne doivent pas aller sur Kick. Mais par contre, Roya, leur Air Max, leur Air Jordan, hein, qui sont faits par des enfants chinois dans les usines, leur téléphone iPhone, hein, qui sont faits par des enfants chinois congolais, les pauvres, dans les mines de 5-6 ans. C'est vrai. Ça leur pose pas de problème. Fils de pute. Voilà, faut leur dire. Ça me dégoûte. Voilà, ils me cassent les couilles, ces gens-là. Allez faire enculer. Voilà, je vous le dis. Allez faire enculer. Et moi, par exemple, je suis sur Kick. Je suis pas payé, Rouya. Je suis pas payé. J'y vais de mon plein gré. J'en ai rien à foutre, Rouya. C'est toi qui remplis mon frigo, fils de pute, va. Ouais, oh, ils ont dû toucher un beau chèque. Ouais, Quel chèque. Rouya, il y a des gens, effectivement. Non, mais faut le dire. Il y a des gens, il y a des streamers, effectivement, qui sont payés à aller sur Kick. Moi, pas nous. Voilà. NS n'était pas payé pour dire ça. Et moi, je suis pas payé à aller sur Kick. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, on remet les idées en place. Bande de fils d'up, tous ceux qui parlent mal de nous, allez vous faire un. Non, je rigole, c'est bon. Allez. Mais continue à parler de nous, ça fait plaisir quand même. Exactement, parce que la vidéo, elle va faire 1 million de vues, wesh. Mais attends, mais au moins, le mec, ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre nos TikTok. Au moins. Ah, bah, ça sert à rien, ça, regarde. Au moins, il aurait pu au moins nous demander. Envoie-moi une photo de tes. What? T'as entendu ce que j'ai dit? Mais envoie-moi une photo de tes pieds. Oh merde. Mais t'es un baiser. Mais je t'envoie tout de suite. Mais what? Mais je rigolais, Roya. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, Roya.